Rien, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de filmer, non? Mais pourquoi tu fais des têtes bizarres? Comment ça, je fais des têtes bizarres? Arrête, chacal. Oh, c'est le ramadan. C'est le ramadan. Ma mère, d'accord, viens voir. Il y a un périmètre de distance. Ah, il y a un périmètre? Ouais, il y a un périmètre de distance. On a le droit d'avoir des amis quand même, merde. Wow, là, je parle même plus. Voilà, je parle même plus. Toute la journée avec toi, tu me donnes que 5 euros. Pourquoi 5 euros? Mais je travaille toute la journée. Je suis en train d'halluciner, l'acheter. Attends. C'est quoi? Chut, mon sort. C'est quoi le problème? On a travaillé, j'ai travaillé toute la journée avec lui. Ouais. On a vendu 5 bouteilles. Et là, il me donne que 5 euros. Mais vous avez fait combien? Vous avez fait 30 euros. 30 euros, tu lui donnes que 5 euros. Le fait d'être 10 euros, le 15 euros. Oui, et alors, le bénéfice, vous le partagez à deux? Non, lui, t'as. Non, il n'y a pas de. C'est toi le patron. Et alors, t'es le patron, tu le payes que 5 euros? Non, 5 euros, bien sûr, ça te fait plaisir. Maman, avec moi, mais il n'y a rien du tout. Ma travail, mais il n'y a rien du tout. Mais c'est quoi le plus? Arrête, mon sort. C'est pas, il t'a fait plaisir, c'est pas. Rends-lui ces 5 euros. C'est moi, je vais te payer. Tiens tes 5 euros. Voilà, t'es un hagar. Tiens. Et dis pas, mon sort, que je les ai donnés. Voilà. Et s'il vient de parler, dis-moi le. Voilà. Je m'occupe de lui. C'est bon, merci. Ça y est, t'es tout propre. Hein? La GT, lui et son frère, ils vont dormir à la maison. Et demain, premier jour de ramadan pour eux. Habille-toi. Ah ah Moyel, moi je rigole pas, arrête. Vas-y, ferme la porte. Ah Regardez la chaîne T. J'ai mis une caméra qui vit sur le frigo et une qui vit sur l'armoire, là où il y a toutes les friandises. Vous avez le droit de manger, là. Là, vous avez le droit de manger jusqu'à à peu près, je crois, 5 ou 6 heures du matin. J'ai mis une caméra ici qui vise vers le frigo et la deuxième caméra, elle est ici. C'est simple. Commencez même pas à vous croire plus malin que les autres. Si vous voulez faire le ramadan, faites-le sérieux, c'est pas de la rigolade. Mais je vais vous surveiller. Voilà. C'est quoi ta question? Tu vas nous dire à quelle heure on aura le droit de manger. Oui, je vous dis à quelle heure vous arrêtez de manger. Mais sachez que les téléphones, les deux téléphones, ils vont être dans la chambre. Et il y aura toujours une personne pour regarder.